Tarentaise vibre au son de la musique classique à l'occasion de l'Académie Festival des Arcs. Au cœur du massif de la Savoie, département partenaire, les meilleurs instrumentistes du monde revisitent les répertoires de grands compositeurs. Ce soir, à la Coupole, c'est Schubert qui est à l'honneur. Ce soir, donc, nous jouons le deuxième trio de Schubert, qui est le plus connu des deux trios qu'a écrit Schubert, justement à cause d'un thème assez incroyable qui a été maintes fois utilisé par le cinéma, notamment par Stanley Kubrick dans Barry Lyndon. L'Académie Festival des Arcs, on est sur notre 45e édition cette année. C'est un festival donc, des concerts qui dure pendant 3 semaines à peu près. C'est des concerts qui sont gratuits, je crois que c'est quelque chose d'assez unique dans le paysage français, il faut le souligner. Ça fait 45 ans que toutes les conférences, tous les concerts qu'on propose sont gratuits. Et comme le titre de notre festival le dit, Académie Festival, c'est aussi une académie. Donc tous les artistes ou la plupart des artistes qui sont au festival donnent des cours. On a entre 150 et 200 stagiaires qui viennent du monde entier et qui sont ici aux Arcs en Savoie pour ce festival. Transmissions et rencontres sont les maîtres mots de ce festival ouvert à tous. Habitués ou randonneurs égarés sont invités à s'installer dans les différents lieux où les concerts sont proposés entre Bourg-Saint-Maurice et la station des Arcs. Pouvoir passer des vacances et venir écouter des concerts, on mixe à la fois du sport, des aspects culturels, c'est parfait. Bah, le son, c'est agréable. C'est reposant. Il n'y a pas forcément de voix, c'est surtout reposant. Et oui, ça nous plaît. Et puis il y a un morceau que mon mari adore particulièrement ce soir. Donc on est très contents. Et puis on est allé déjà au lodge, au golf. Et là, il y avait un trio, c'était magnifique, des jeunes qui jouaient. L'Académie Festival des Arcs se prolonge jusqu'au 2 août pour découvrir toutes les dates, les lieux et la programmation de cette édition 2018. Rendez-vous sur le site du festival.